Alors c'est bien un carton du Lion stamponné. Donc le dernier numéro, le 14, c'est bon. Oui. Le 16. Oui. Le 31. Oui. Le 54. Oui. Le 77. Oui. Le 85. Oui. Le 9. Oui. Le 48. Oui. Le 63. Le 63, oui. Et le 87. Et le 87. Oui. Oui. C'est bon. Qui est toujours un succès auquel vous participez avec plaisir. Eh bien, on va commencer pour une première ligne du tirage enfant pour une caméra sport. Et le jeu va démarrer. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur Morel. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs du loto qui a lieu aujourd'hui au Colisée de Meaux et qui est organisé par le Lions Club. C'est la 9e édition de ce loto. Il y a 900 places disponibles et on fait le plein quasiment 15 jours, 3 semaines avant. Sur réservation du coup. Sur réservation uniquement. Parmi tous les lots qui sont disponibles aujourd'hui, on a cette magnifique voiture. Les recettes que vous faites, à qui est-ce qu'elles sont versées finalement ? Alors voilà, tout ce qui a été vendu au niveau des tickets de la tombola, de la tombola, des grilles de loto, ça va alimenter notre fonds qui va permettre de faire des actions au niveau de la jeunesse, de l'environnement et du handicap. Donc on a deux gros événements dans l'année, il y a un gala qui se fait au mois de janvier et puis le mégaloto qui se fait au niveau d'avril, mars-avril. Et tous les fonds collectés sont reversés donc à l'environnement, à la jeunesse et au handicap. Que votre association met en place. C'est les associations du Lions Club en France, à l'international même, très bien. C'est leurs grosses actions.